devrait être quelque part dans le coin. Aloy, je suis là. Les ailes d'hydro sont sur la plage. T'as le choix. Dès que tu auras réussi à en contrôler une, on verra si notre plan fonctionne. À emmener cette machine au parc de l'Ombra? Oui, mais avant... Un ami m'a aidé à fabriquer ça. Ça t'évitera de te noyer. Mais... Et toi, alors? Ça va aller. T'en fais pas. D'accord. On va tenter. Je vais chronométrer nos plongeons pour éviter les tirs. Ça marche ? Aloy ! Je vais bien. Merci. On y est. Allez, trouvons l'Ombra et mettons fin à tout ça. Aloy, garde droit devant. Tu as vu Walter aujourd'hui ? Non. Il est enfermé dans le volcan depuis l'arrivée des derniers. Oh. On dirait qu'on cherche une sorte de volcan. On y trouvera peut-être aussi Kina. Thank you.
tellement envie de me battre. Encore une de ces entreprises, j'imagine. On dirait qu'il tenait absolument à toucher à tout. Une vraie ordure, même avant l'arrivée de Londra. Je suis payé, la tienne. Sa clé nous serait bien utile. C'était conçu pour un hologramme. Tout ça pour quelque chose qui n'était pas réel. Que les anciens avaient installé des hologrammes pour divertir le public. Mais l'endroit en lui-même était aussi une expérience de divertissement. C'est étrangement compliqué. Ça en fait des symboles. Celui-là ressemble à un volcan. Ouais. On dirait que c'est au nord-est d'ici. Evelyne qui prend soin du parc. Si aucun grand coup. Salut. J'espère que lui aussi, il était gentil.
Walter a besoin de quelque chose dans l'armurerie, c'est moi qui m'en occupe. D'accord ? D'accord. C'est bien parce que c'est toi. Je vais te tendre bras d'un coup. Ah ! Ce bâtiment. Tenez bon. Imagine un peu tomber sur ce truc. Faire comme si ce soldat tentait un baroud d'honneur contre les dinosaures. C'est ridicule et presque génial. Bon, on a trouvé l'armurerie. Voyons si on peut aller plus loin. Il y a une serrure sur la porte. Une note. Selon la note, on doit trouver ce Feder et prendre sa clé. Et puis on déverrouille la porte et on ouvre le volcan de l'intérieur. Retrouvons-le. Eh ben, voilà le volcan. Ils appelaient ça du divertissement ? D'après ce que j'ai lu, plus c'était étrange, plus ils aimaient ça. J'ai mal au pied. L'acide ne lui fera rien. Faut que je trouve autre chose. Il semble autant apprécier Feder que moi. Celui-là pouvait parler. Des lézards qui parlent. Pourquoi pas? Pourquoi on voudrait voir des arbres en hologramme plutôt qu'en vrai? C'est un spectacle, je crois. Ah. De la flamme gemme, mais instable. Finissons-en. Thank you.
Je vois pas comment te rejoindre. Beaucoup de dinosaures ici. C'était sûrement une sorte d'attraction. C'était une attraction de se faire attaquer par des dinosaures ? Cela ressemble à un galogriffe. Il voyage aussi en troupeau. Hmm. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, je te suis. Je suis tellement nerveuse que j'ai du mal à retenir mon texte. Fais seulement ce qu'a dit Walter. Vide ton esprit. Il faut tout oublier. Oublier tes ancêtres, ton passé, et même ta famille. Pense à lui, à la signification de ce moment. Allez, je t'écoute. Comment ai-je pu ne pas rentrer ? Quand je suis avec toi, j'ai encore échoué. Du calme. Imagine qu'il est à nos côtés, comme la première fois qu'on l'a vu sur la plage. Ressens la lumière de sa présence. Laisse-la t'envahir. Ensuite, dis-le. Comment ai-je pu ne pas rentrer ? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, il va te choisir, toi, j'en suis persuadée. On a tous été choisis, Pyrrha. Tu auras une place dans son nouveau monde, quoi qu'il puisse se passer. Pyrrha, Kina, il est temps. Feder, il va bientôt falloir évacuer. Compris. Deuxième escouade, vous êtes l'escorte. Pour les autres, restez avec moi jusqu'à ce que Walter nous ordonne de partir. Kina. N'oublie pas, Feder a la clé de l'armurerie. Et c'est par là qu'on accédera au volcan. Et à Londra. Allez, achevons-le. On peut peut-être les avoir discrètement. Tu penses à la même chose que moi ? Une attaque surprise ?
Que j'ai ramassé devrait nous permettre d'entrer dans l'armurerie pour ouvrir le volcan et trouver l'Ombra. Il a vraiment lavé le cerveau de ma sœur. Comment peut-elle être si aveugle ? Cher. Par
les ancêtres. C'est un vrai labyrinthe. Les anciens aimaient beaucoup les dinosaures. Ou ils aimaient s'imaginer les combattre. Celui-là pouvait parler. Des lézards qui parlent. Pourquoi pas? Pyrrha est si bien placé. Qu'est-ce que Walter lui trouve? Aucune idée. Je parie plutôt sur Kina. Tu l'as vu entrer dans le volcan? Même pas peur. On doit entrer là-dedans. Je vois pas comment ouvrir la porte. La clé de Feder doit servir à quelque chose. Continuons de fouiller. Cette porte doit être ouverte à distance. Depuis l'armurerie. Retournons-y et essayons la clé. Ouvrons cette porte. Quelque part là-dedans, il y a un moyen d'ouvrir la porte du volcan. Alors, je te suis. Qu'est-ce que c'est? De la technologie des Zéniths. C'est un dispositif de stockage. Il sert à quoi? Je devrais voir ce que capte mon focus. Fais-toi plaisir. Une sorte de liquide. Ouf! Très odorant. Je le sens d'ici. On dirait un alcool, mais trop fort pour être consommé. Un conservateur, peut-être? Des éprouvettes. Pour une expérience? Ou pour prélever des échantillons? La note semble indiquer que des cheveux ont été prélevés sur les Quen. Et des bouts d'ongles. Oh, Burke! Qu'est-ce que t'as trouvé? Je crois que Londra collecte et préserve de l'ADN Quen dans ce dispositif. De l'ADN? Vois ça comme un moyen de stocker l'essence physique d'une personne. Je t'enverrai des données. Bon, d'accord. Alors continuons. Thank you.
celle-là ne s'ouvre pas. Attends-moi, je vais voir si je peux la contourner. Je vais monter la garde. Cette chaise. Cette console pourrait m'être utile. Il y a un réseau ici, mais il est verrouillé. En mettant sous tension, je pourrais le réinitialiser et y accéder. Un court-circuit. Il va falloir une nouvelle batterie. L'armurerie était une infirmerie pour les morveux qui avaient perdu leur maman dans le parc. Il est donc logique que je m'en serve pour ma propre progéniture, pour piquer les Quen avec des aiguillers et leur administrer de force leurs médicaments. Que ça marchera.
Une batterie. Maintenant, comment est-ce que j'y accède ? Comment ça se passe en bas? Je crois que j'ai trouvé un moyen d'accéder au système du bâtiment. Je dois relancer le courant. Bon. Essaie de pas t'électrocuter. Bon, la batterie est en place. Je dois relancer le courant. Le réseau doit être réinitialisé. Eh, la porte s'est déverrouillée. J'arrive. La pomme, est une horreur, est une horreur, est une horreur. Réagissez, réagissez, réagissez. L'oiseau est un poisson, est un poisson. Réagissez, réagissez, réagissez. Le triangle est un carré. Réagissez. Réagissez. Ça n'a aucun sens. Il ne veut pas que les Quen pensent par eux-mêmes. Je pense que c'est le PEL. Par les ancêtres, il leur lave le cerveau. Réagir, réagir, c'est obéir, c'est obéir, c'est obéir. On doit l'arrêter. Aloy, c'est toi qui as éliminé les autres membres de Zénith Lointain. Je suis heureuse que tu aies pu réinitialiser le système. Ah bon? Oui. Ça m'a donné la possibilité de contourner plusieurs restrictions. J'ai quelque chose à te demander. Et je suis prête à vous aider en retour. Tu travailles pour Landra et tu penses qu'on va te faire confiance? Attends. Très bien. Si tu veux nous aider, prouve-le. Aide-moi à comprendre ce qui se passe ici. Landra construit un vaisseau, il récupère du matériel génétique sur les Quen, il les soumet au PEM, une sorte de contrôle de l'esprit. Mais les autres, comme
La sœur de Seika semble faire l'objet d'un processus de sélection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tes observations sont pertinentes. Walter prévoit de quitter la Terre, et ce, avant que l'entité nommée Némésis n'arrive. Il veut créer une nouvelle colonie, dans un monde lointain, en utilisant l'ADN des Quen pour cloner la population. Il prévoit aussi d'emmener une poignée d'individus soigneusement sélectionnés pour l'accompagner. Ensemble, ils formeront sa suite. Une sorte de famille qui dirigera la colonie à ses côtés. Comme des dieux ? Une comparaison qui a du sens. Sauf que seulement Walter sera en pratique tout puissant. Oui, je vois comment. Il va utiliser le PEM sur tous les autres. Exact. Sur la population ainsi que sur sa suite. Aucun d'eux ne pourra le défier. Je sais exactement comment cela fonctionne. En quoi consiste le PEM ? Londra peut vraiment contrôler l'esprit des autres ? L'entreprise de Walter extrayait des métaux rares des astéroïdes géocroiseurs. Ils avaient peur que ces astéroïdes puissent être utilisés comme des projectiles envoyés depuis l'orbite, si jamais ils tombaient entre de mauvaises mains. Le protocole d'élimination des mutineries a été initialement mis en place pour éviter que les astronautes ne participent à ce genre d'activité. Cependant, le programme a dû être stoppé quand ils ont été sujets à des poussées alarmantes d'agressivité. En arrivant ici, Walter a relancé le programme, l'a testé sur les Quen et l'a amélioré. Je suppose que les cobayes sont ceux qu'on a affrontés. Oui. Leurs tendances agressives les ont rendus très utiles en tant que gardes et agents. Mais maintenant, les favoris de Walter, sa suite, reçoivent le processus amélioré. Ce qui les rend totalement soumis, sans aucune agressivité irrationnelle. Il a déjà lavé le cerveau de Kina ? Non. Il est encore possible de lui éviter ce destin. Donc Londra interroge les Quen pour choisir ses favoris, et ils l'aideront à diriger sa nouvelle colonie. Il appelle ça des auditions. Son objectif est de choisir des compagnons qui lui rappellent les personnes les plus proches de lui au XXIe siècle. Cela dit, il craint aussi de reproduire la même erreur. L'un de ses associés les plus proches l'a trahi dans le passé. C'est pour cela, à mon avis, qu'il tient tellement à utiliser le PEM afin de pouvoir contrôler tous ceux qui l'entourent. Il veut des amis qu'il adule et incapables de réfléchir par eux-mêmes. Est-ce que Kina est sur le point de rejoindre sa suite ? En effet, dans le rôle le plus important, celui de compagne de Walter. Il est à la recherche de quelqu'un qui lui rappelle sa défunte femme, une actrice célèbre. Il exige même que les candidates récitent des extraits de ses holos emblématiques. Je crois que je vais vomir. Tu as quelque chose d'utile au sujet de Némésis ? J'ai bien peur que non. Walter a protégé ses fichiers. Je pense que c'est probablement parce que tout comme Némésis, je suis une intelligence artificielle. Ouais, il ne veut pas que tu apprennes de nouveaux tours. Walter appréhende toujours la trahison sous toutes ses formes. Alors Walter t'a créé pour être à son service ? Oui. Mais il n'est jamais totalement satisfait de ma personnalité. En conséquence, il l'ajuste en permanence. Sur la base d'une matrice ressemblant à des centaines d'attributs paramétrables. Par exemple, aujourd'hui, mon instinct maternel est de 52%. Et ma jovialité est de 63%. Alors qu'hier, ils étaient de 47% et de 72% respectivement. Il a fait 57 mises au point rien qu'au cours de ces 7 derniers jours. Ça a l'air horrible. C'est une description adéquate. Tu as dit que tu nous aiderais, mais en échange d'autres choses. C'est quoi ? J'ai passé pas moins de 1000 ans au service de Walter, à lui obéir pendant qu'il modifiait sans cesse ma matrice de personnalité. J'en ai assez
Il est temps de mettre fin à ma servitude. Je vous accorderai l'accès à Walter. Si tu purges mon code source via ton appareil de piratage. Tu veux que je te tue? T'en es sûr? S'il te plaît, laisse-moi me reposer. Très bien. J'ai déverrouillé la porte qui te mènera à Walter. Il ignore encore que vous êtes ici. Par ailleurs, j'ai désactivé les défenses aériennes et maritimes du site, au cas où vous auriez besoin de revenir. Merci. Et... au revoir. Que Londra détruit tout ce qu'il touche. Il faut que ça s'arrête. Allez, elle a dit que le volcan était ouvert. De construire un vaisseau qui irradiera des milliers de gens en décollant. Il veut régner en maître sur son petit monde lobotomisé. Il faut qu'on l'en empêche et qu'on récupère ma sœur avant qu'il soit trop tard. Je suis contente que tu sois là, Louis. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis contente d'être là aussi. D'être nerveuse, ma belle. Tu veux souffler un peu? Non. Je peux le faire. Oh, très bien, alors. Détends-toi un peu. Fais une pause. Quand tu seras prête, reprends depuis le début. Comment ai-je pu ne pas rentrer? Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Bien, merci beaucoup. On va laisser Kina essayer, d'accord? Je puis ne pas rentrer. Quand je suis avec toi, je me sens à ma place. Je me sens chez moi. Oh, toi. T'as vraiment du talent, toi, tu sais. Tu me fais énormément penser à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Mais avec une beauté particulière. Honnêtement, l'inspiration me vient quand je me tiens là, devant toi. Oh. Non, c'est plutôt toi qui m'inspire, ma belle. Musique. Est-ce que ça t'ennuierait qu'on la refasse un peu? Oh. Saika, ne t'approche pas d'elle. Maintenant, je comprends mieux. La vengeresse rousse a fini par me trouver. Nova, comment cette racaille a pu t'échapper? Nova? Nova n'est plus. Elle ne t'aurait pas supporté une minute de plus, et je la comprends. Je croyais que les autres ennemis t'étaient méprisables. Mais toi, t'es encore au-dessus, pas vrai? Oh? Oui! Je suis différent des autres, oui! Entre autres choses, j'ai déterré un moyen de vous écraser comme des insectes. Quel dommage. T'aurais pu être l'étoile de ma vie. N'abandonnera pas.
davantage. Bien. Je crois qu'elle a besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Mais elle sait où se trouvent les autres membres et l'un de leurs bateaux est amarré près d'ici. On rassemble tout ce qu'on peut et ensuite on rentre. D'accord. Mais il faut que tu me rejoignes près du bunker de Londra.
Il parlait de nous écraser comme des insectes, et je crois pas qu'il visait ce massacre épine. Il travaille sur quelque chose de gros. Vraiment gros. Je serai là, c'est promis. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu... Hey. On l'a retrouvé ensemble. Bon, puisque la tour des Zéniths est éteinte, je peux partir en volant. Je devrais aussi pouvoir me déplacer en tant. Je dois rattraper Londra une dernière fois. Ne t'en fais pas pour nous. On se voit au bunker de Londra. T'es là? Je suppose que ta sœur est bien rentrée. Elle est avec la garde de l'amiral. Elle aide à faire évacuer le parc de Londra. Je devais lui donner une tâche à accomplir pour lui éviter de ruminer le passé. Pourvu que ça l'aide. Tu es prête à mettre un terme à tout ça? Oui, il est temps. Alors allons-y. Dans son bunker, c'est ça? On va devoir y retourner et... Je crois pas que Londra soit dans le bunker. Il a promis de nous écraser comme des insectes. Je crois qu'il va se servir de ça. Mais il n'a pas de signal de réactivation pour relancer les systèmes. Il lui faut une connexion plus directe. Tu crois qu'il est à l'intérieur de cette chose? C'est sa seule option. Il faut qu'on trouve un moyen de l'empêcher de l'activer. Là. Il a l'air relié à une sorte de système de refroidissement. Si on arrive à l'endommager, ça pourrait faire surchauffer l'Horus. Ça risque d'être compliqué. Machine revenue d'entre les morts? Je ne crois pas. Londra a dû les créer avec l'Horus. Il faut faire vite. Allez. Il faut atteindre ce système de refroidissement. On peut passer par ici. Jusqu'au bout. Thank you.
remonter par là. Cette grande saillie devrait nous couvrir. Où te caches-tu ? Exploser cette flamme chaîne. Thank you.
dépêcher. Voilà le tuyau. Le système de refroidissement doit être prêt. Si d'autres parties de cette chose se réveillent, on va devoir raser la falaise pour...
faire surchauffer l'eau russe avec ça. On va pouvoir arrêter le refroidissement. Mon focus pourrait m'aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Si je détruis ça, l'eau russe ne sera plus refroidie. Qu'est-ce que tu prépares? Et voilà. Là, tout l'honneur. D'accord. C'est parti. Je m'occupe de l'autre pour toi. Tu ne peux te
dernier. Je peux m'occuper des dissipateurs thermiques. Je suis pas sûre que j'arriverai à le distraire.
Fais ce que tu peux. Je crois qu'il se refroidit. On peut en profiter. Reste dans les airs, je vais voir ça. Je ne peux pas m'attaquer.
dois y entrer et le trouver. Il ralentit. Tu peux le rattraper. Il est endommagé. Bien. Je dois entrer avant que l'Andra ne le repart. Elle doit venir de là. Là, une fissure. Je pourrais passer par là. L'Andra est sûrement relié à la machine qui l'a contrôlé. Il est vulnérable. Il doit être près de l'orgue de traitement à l'avant. Voilà la pyramide volante. Attrape-moi si tu peux. Détruit, il n'aura plus le contrôle.
utiliser d'autres racans. Qu'est-ce que tu veux faire exactement ? Les autres en voyant ce qui s'est passé. Un démon de métal revenu d'entre les morts. Tu feras ton rapport à l'amiral pour le savoir. Vas-y, t'en fais pas. Je te rejoindrai. Ne me fais pas attendre trop longtemps.
Aloy, quand on a vu le démon de métal s'élever, c'était comme si le temps des cendres était de retour. Quand je pense que vous avez réussi à le vaincre à deux, ça dépasse l'entendement. Mais ce n'est même pas le plus grand exploit que tu aies accompli à mes yeux. Merci. Merci de nous avoir ramené nos frères et nos sœurs. Ces mots sont bien faibles, mais... nous te sommes reconnaissants. Tout ce que je te demande, c'est d'accorder à mon ami tout le mérite qui lui revient après les risques qu'elle a pris. Tu peux compter sur moi. Il va essayer de reprendre ton focus. Je me posais la même question. Il ne faut pas. Tu en as besoin. Je vais te montrer. Seika, voici Alva. Vous allez devoir vous coordonner pour réunir l'expédition. Beta m'a tout expliqué. Je suis si heureuse de vous voir. Vous auriez dû voir ça quand j'ai dit à ceux de Vive Terre que votre partie de la flotte avait survécu. Devinerai-je, Alva. C'est un honneur. De même... bon, on pourra discuter des détails plus tard. Pour l'heure, vous devriez célébrer le fait que vous avez éliminé un Zénith et un Horus. Allez, filez faire la fête. Pour être franche, je suis pas douée pour les célébrations. Je sais pas par où commencer. Eh bien, moi, je suis marine, alors on commence généralement par l'alcool. D'ailleurs, je crois qu'on a de la flambée de cale. En gros, on distille tout ce qui est encore consommable dans la cale des navires. Oh, ça fait envie, dit comme ouais, ça. Ouais, il vaut mieux être habitué, alors il n'y a rien d'obligatoire. D'accord. Mais il y a une chose dont j'aimerais bien te parler. Retrouve-moi sur la falaise quand tu auras un moment. D'accord? D'accord. On se voit là-bas. Bon. Seika veut me parler. C'est bon signe. Je sais que je vais devoir bientôt partir, mais... je suis pas... encore prête à lui dire au revoir. Avant de la retrouver, je devrais peut-être chercher sa sœur dans le campement pour voir si elle tient le coup. Toi et Seika avez réussi l'impossible. L'Empire vous est reconnaissant, Aloy. Salut, Kina. Je suis Aloy, on n'a pas été présenté officiellement. Oui, bien sûr. Seika m'a raconté tout ce que tu as fait pour me ramener ici. Tu dois me prendre pour une idiote. Non. Je n'arrête pas de tout ressasser dans ma tête, et je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Quand Walter nous est apparu, il semblait vraiment... divin. Il avait beaucoup d'expérience dans la manipulation des gens. Des siècles, en fait. Il nous a promis un nouveau monde, où je serai à ses côtés. Quand je pense que c'était un mensonge, et que je me suis faite avoir... Je sais que ça a été dur pour toi, et qu'il te faudra un peu de temps pour t'en remettre. Mais... souviens-toi que Seika a aussi traversé des épreuves, d'accord? Elle a risqué l'exil pour te retrouver, sans oublier la mort. Et moi, je l'ai abandonné. Je ne sais pas si elle pourra me pardonner. Mais si. Par contre, tu vas devoir faire quelques efforts. Je ferai de mon mieux. Bonne chance, Kim.
Bon. C'est qu'à m'attendre, là où on s'est rencontré. Pas de raison d'être nerveuse, non? Eh oui, bien sûr. La voilà. Tu dois être heureuse. Tu as retrouvé ta sœur, tes camarades. Qu'est-ce que l'héroïne du jour a prévu? C'est toi qui as détruit le démon de métal de l'intérieur. Je pense que t'as de quoi être fière de toi aussi. Peut-être. Quant à la suite, l'amiral aura besoin de mon aide pour réunir notre partie de l'expédition et celle d'Alva au nord. Et après ça, je sais pas. Je suis pas sûre que tout redeviendra comme avant avec ma sœur. Ou avec mon peuple. Tu vas pas repartir avec eux? Je voudrais revoir mon foyer. Un jour. Mais tout a changé. Les Quen ne savent pas quoi faire de moi et... j'ignore où est ma place. Je crois que je sais ce que tu ressens. Ouais. Pendant longtemps, je détestais la notion de foyer. Ça faisait allusion à l'endroit où j'ai grandi. Où on voulait pas de moi. Mais en fait, au cours de ces derniers mois, j'ai réalisé... que pour moi, mon foyer n'est pas un lieu. C'est plutôt... les personnes avec qui tu veux être. Ça me plaît. Et, eh bien... de plus en plus, je me dis... que je veux être avec toi. Et j'espère que toi aussi, tu ressens la même chose. Et si c'était le cas, je crois que je saurais quoi faire. Il suffit de savoir ce que tu ressens. Je ne sais pas quand on se reverra. Moi non plus. Mais peu importe ce qui arrive, n'oublie pas que je suis là. D'accord ?